L'idée dans cet album, c'est vraiment de pouvoir explorer au maximum nos inspirations et de pas se mettre de limites en fait dans ce qu'on peut proposer. Qu'on est sur un album qui reste quand même cohérent vis-à-vis du style et des différentes chansons que vous pouvez retrouver. Mais on a attendu vraiment à être libre. C'était hyper important pour nous d'être libre et d'avoir une multitude de sons, de sonorités différentes. C'est très important. Towers, c'est un talent Radio Mont Blanc. On les suit depuis leur début et ils vont sortir donc leur album tout prochainement, le 30 septembre prochain. Ils sont avec nous, Olivier, bassiste, et Aurélien, le chanteur des Bears Towers. Salut les gars. Salut. Très content que. On sait que c'est pas facile pour des artistes de venir en studio si tôt le matin et de venir chanter. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Un plaisir, merci à toi. Les réveils sont difficiles, mais on est là. Merci d'être là. Bon, vous habitez pas loin, hein. Vous êtes tous origine du bassin clusien. Aurélien, tu habites même à 500 mètres oui, du studio Radio Mont Blanc. Très importante. Oui, bah oui, il y a un tunnel hein, directement qui vient de chez toi. Juste un petit passage grave pour moi. On le croise des fois le matin avec sa brosse à dents. Tu vas bien, Aurélien ? T'as passé une bonne nuit ? Yes, super, excellent. Ils sont avec nous donc pour parler bien sûr de ce nouvel album. Il se nomme Self Portrait après plusieurs EP. Eh bien, le voici donc. On l'a en notre possession. En plus, il a été enregistré juste à côté de chez nous, c'est ça ? Exactement, Marinier. On est vraiment locaux de chez locaux, quoi. Ah ouais, là, on est vraiment dans du circuit court. Hein. Il faut. Complètement. On rappelle votre label, tout premièrement ? Single Bell, basé aussi dans la vallée, à Thiers-Marinier. Ouais, donc là, depuis le début, ouais. C'est vraiment du supra local depuis le début. Radio Mont-Blanc aussi, vous avez été plusieurs fois talent Radio Mont-Blanc. On vient de l'entendre avec Vertigo. Précédemment, on avait eu Bells, souvenez-vous aussi. Chansons vous paraissent évidemment familières, bah c'est normal, vous avez entendu sur Radio Mont Blanc et puis If You Wanna Go également. Avec la voix d'Aurélien qui peut s'apprêter à différentes situations, qui peut être aussi bien rocailleuse que très suave, que plutôt aiguë, avec également parfois du coffre. C'est justement eh bien, toute la pluralité, on va dire, des Bears Towers, et c'est ce que vous avez voulu retranscrire, je parie, dans Self Portrait. Ouais, l'idée dans cet album, c'est vraiment de pouvoir explorer au maximum nos inspirations et de pas se mettre de limites en fait, dans ce qu'on peut proposer. Qu'on est sur un album qui reste quand même cohérent vis-à-vis du style et des différentes chansons que vous pouvez retrouver. Mais on a attendu vraiment à être... libre, c'était hyper important pour nous d'être libre et d'avoir une multitude de sons, de sonorités différentes, c'est très important. Et alors justement avec votre label, vous avez eu, avec Single Bell, vous avez eu cette liberté, parce que des fois on sait que les producteurs, voilà, ils mettent le nez à tort ou à raison, mais des fois il y a des injonctions quoi. Tout à fait, bah là ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là et on a justement participé à fond à la production, on a enregistré nous-mêmes l'album en fait. Donc au sein du studio du label, ça laisse quand même une grosse part de liberté de dire ok, on prend les choses en main et du coup on gagne une part de liberté là-dessus vu qu'on prend les choses en main quoi. Il nous emmène où ? Il parle de quoi cet album ? Self Portrait, c'est un album qui a été écrit pendant le confinement, qui a été composé et écrit pendant le confinement. Donc c'est pas un album qui parle du confinement ni de la crise du Covid bien évidemment, mais c'est un moment en fait on s'est tous retrouvés centrés sur nous-mêmes et on a appris à travailler de manière différente et du coup ça nous a permis aussi beaucoup d'être beaucoup plus alerte à plein de sentiments qu'on éprouvait, des choses comme ça. Ça va parler de prendre confiance en soi sur certaines choses, de quitter son quotidien, sa routine pour aller vivre l'inconnu. Et en fait, tout ce qu'on nous a un petit peu privé pendant ce confinement-là, on le retrouve dans cet album-là. Notamment les rencontres d'un soir, le plaisir charnel, tout ce qu'il y a. Ça a manqué à pas mal de célibataires, ça on le sait bien. Self Portrait, donc ça sort le 30 septembre, c'est exactement. Ça exactement. Donc il ne faudra vraiment pas hésiter, ça sera retrouvé sur les différentes plateformes de stream. Mais comme on le disait, donc c'est quand même un travail de longue haleine parce que beaucoup de singles que l'on retrouve dedans, on va découvrir dans quelques instants Hometown que vous allez nous interpréter en acoustique aux côtés donc, de Nathan, d'Olivier et d'Aurélien. Mais par exemple, eh ben, comme je le disais, Bells, Vertigo, If You Wanna Go, c'est déjà des titres que l'on a entendus précédemment sur Radio Mont-Blanc. Ouais. En fait, c'est né un peu d'une frustration. L'album est sorti Prism est sorti le 3 avril 2020. Mm-hmm. C'était pas la meilleure période pour sortir un album et le faire vivre sur scène. Vous pouvez pas forcément le savoir. Les hasards du calendrier. Et en fait, on a eu un peu cette frustration de pas l'avoir fait assez vivre sur scène, de pas avoir pu le présenter à assez de monde. Donc on s'est dit, c'est dommage, ces morceaux, ils ont vécu, ils ont eu une chouette vie, mais une autre vie est possible.
Et du coup, on s'est dit, bah, il faut les amener dans un autre projet pour les faire découvrir au plus de monde possible. Et puis la chance qu'on a avec cet album aussi, c'est de découvrir l'ensemble des Bears Towers. C'est-à-dire que même si on a raté un peu le truc, on se dit, oula, c'est cool, ça j'aime beaucoup, on est où? C'est vrai qu'on a, on a un truc un peu global, quoi. C'est ça, ouais, ouais, tout à fait, ouais, carrément. Et c'est très très bon. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Vous êtes en résidence donc à l'atelier de Cluses. D'ailleurs, vous serez en concert demain. Exactement. Absolument. On a très très hâte. Avec en plus un copain à vous qui a lui aussi été talent Radio Mont-Blanc, qui a même gagné la première édition de Radio Mont-Blanc Fête de la Musique. On rappelle le contexte, on était en pleine période Covid. Radio Mont-Blanc s'est dit comment on peut faire justement pour soutenir un petit peu la culture locale, culture musicale locale. On s'est dit ok, on va faire un tremplin de la musique. Cette année, on en est déjà à la troisième édition et la première édition a été gagnée par Séraphin, qui est un jeune Clusien. Génial, hein. Et c'était moi aussi, ça m'avait littéralement bluffé la capacité de ce jeune garçon à avoir des graves, d'être extrêmement sombre aussi dans sa musique, mais qu'est-ce que c'était bon. Et ouais, on fort, a eu énormément de retours positifs, et vous allez partager la scène avec lui. Ah, mais il faut on partage tout avec lui, ouais. Finalement, il était d'ailleurs au studio en train d'enregistrer son album le matin où il est venu faire son live ici à Radio Mont-Blanc, et on s'est jamais quitté depuis, et on essaie de tourner le plus possible. On fait nos trois vernissages, nos trois release parties avec lui à Lyon, à Paris et à Cluses. Donc tu vois, c'est un peu ce vivier, comme on dit, un peu de talents locaux. On a tout intérêt à essayer de se tirer tous vers le haut et à profiter un peu de tout le monde, quoi. Voilà, pour ceux qui pensent que eh bien les artistes se tirent dans les pattes parce qu'ils essayent d'attirer la lumière sur telle ou telle personne, eh bien voilà, ça prouve une nouvelle fois que même les talents Radio Mont-Blanc et les talents locaux de notre belle vallée de l'Arve, eh bien savent aussi jouer collectif pour vous proposer un show unique. Donc c'est demain à l'atelier de Cluses. Je viens juste d'y penser, mais Séraphin, ça se trouve les gens ne connaissent pas. À l'atelier de Cluses, il reste encore des places, messieurs. Oui, alors pas beaucoup, il me semble. Hein. Vraiment pas beaucoup. Hein. Il y aura en principe quelques places à prendre sur place le jour J, mais on commence à être bien, bien serré là. Et pas mal de monde essaye de se dire ouais, le jour J, ça va faire. On a peur qu'il y ait un peu des déçus. Alors nous, on est contents. Mais voilà, moi, c'est le fameux chuleur. Mais moi, je suis large. Moi, je peux pas aller acheter des places là-bas. Tu rigoles ou quoi? Les gars restent devant, ils écoutent à la porte. C'était bien, les Bears Towers, il fait froid, mais c'est bien. C'est à 20h, c'est ça? Exactement. Soirée commence à 20h. Bon, bah, vous savez quoi? En plus, on va vous offrir les dernières invitations. Elles sont chez nous. Allez, ok. On va vous les offrir dans un court instant. On va aussi demander aux Bears Towers, bien sûr, de se mettre en place dans quelques instants. Juste le temps pour nous de marquer une toute petite pause. Bien sûr, on va interpréter donc ce titre Hometown. Juste avant ça, messieurs, comment ça se passe? Là, vous avez. On sait que la période était difficile. Il y a eu énormément d'annulations de concerts. Il y a eu des reports. Vous, ça se passe comment pour l'ensemble des Bears Towers? Écoute, ça se passe plutôt bien, hein, on va pas se mentir, c'est cool. On a eu un été peut-être un peu plus calme par rapport aux années précédentes, mais on travaillait sur l'album, on avait pas mal de choses de prévues, donc c'est cool. Ça nous a permis aussi de prendre des vacances, et ça c'est assez rare pour le souligner quand même. C'est cool comme truc, c'est bien, hein. Franchement, c'est pas c'est mal. Cool, hein. On connaissait pas trop, et franchement, c'est un truc qu'on a développé un peu. Pas hésiter à réitérer. Radio Mont-Blanc donc, aux côtés des Bears Towers qui sortent leur bel album Portrait, je le montre à la caméra par la même occasion. C'est trop chouette en plus. Il sort le 30 septembre sur les différentes plateformes de streaming, et bien sûr, ça existe encore, les CD. Preuve en est, et ça sera retrouvé, on se doute, dans les différents marchands de Fnac, Cultura, Gilbert Joseph, sur notre site internet aussi, Amazon, partout. C'est bien, et eh ben c'est très bien. Et Radio Mont-Blanc, justement, eh bien n'oublie pas ses premiers amours et ses premiers talents locaux, et justement ils sont avec nous pour interpréter Hometown. C'est une des nouveautés, d'ailleurs vous l'avez même clippé, il est sorti sur YouTube. Exactement, la semaine dernière. Très beau clip. Merci beaucoup. Et donc on va l'écouter en acoustique et en live pour terminer cette émission de la matinale des Super Leftos. C'est juste après ça. À tout de suite. Les Bears Towers qui sortent donc leur nouvel album Self Portrait, c'est le 30 septembre. Ils sont demain également en résidence à l'atelier de Cluses aux côtés de Séraphin. C'est à 20h, les dernières places sont chez nous. Et dans le même temps, justement, pour, on va dire, une sorte d'amuse-gueule, vous donner envie, et au cas où vous ne les connaissiez pas encore, voici donc les Bears Towers qui interprètent Hometown. C'est d'ailleurs le titre d'ouverture de ce nouvel album, c'est ça Aurélien? Exactement. On l'écoute là dès maintenant sur Radio Mont-Blanc. Vous pouvez évidemment monter le son, les Super Leftos. Looking you home, you're the one to live like this forever.
walking on the path you never seen. You don't even know where you're going. No one really knows where you're going. They say you're crazy, living for a place you've never been. They never understand how you feel. They never understand the quest you're leading. Home, at least for a moment. A home to be yourself. A home, at least for a moment. A home to be yourself. Oh, you know it. When you were dancing in the dark and you see how it hurts. Les Bear Towers sur Radio Mondiale. Avec ce titre, donc Hometown, qui eh bien, ouvre ce nouvel album Self Portrait, c'est du made in chez nous. Ça, c'est du made in local, c'est du circuit court. Vous venez de chez nous, vous êtes des talents dont on est vraiment fiers. Et surtout, ça a été enregistré juste à côté, donc avec le label Single Bell. Vraiment, quand on regarde en fait, le parcours que vous avez fait, eh ben, on est vraiment fiers de vous avoir et de vous avoir épaulé et de continuer justement à collaborer avec vous. Bravo en tout cas, les Bear Towers. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Rappel. Si jamais vous n'avez pas vos places pour donc l'atelier de Cluse demain soir en résidence pour les Bear Towers et Séraphin à leur côté qui ouvrira la soirée, y a d'autres dates hein, qui sont prévues dans les prochaines semaines. Bien sûr, exactement. On en a une en Haute-Savoie. Alors, je n'ai plus exactement la date, si je dis pas de bêtises. Le Douven. Le 1er octobre, parfait. On sera aussi à Lyon, au Ninkasi, le 4 octobre. Super. Et à Paris, exactement, pour notre release party. La semaine prochaine, vendredi, jeudi prochain. Eh ben, bravo en tout cas à vous les Bear Towers. Et on rappelle bien sûr, tout est à retrouver directement sur votre site internet. Sortie de Self Portrait le 30 septembre. Et vos places, les Super Lefto, eh ben, elles sont à gagner. On a entendu, hein, ça se fait rare. Donc 04 50 58 24 09. Vous nous appelez, on a passé un super moment. Vraiment, appelez, vous allez passer vous aussi un très bon moment au concert demain soir. Merci les Bear Towers d'être venus de bon matin avec Merci. Nous. À la prochaine.